What the fuck? Eh ben du coup on perd des sous et là il y a moyen qu'on perde quasiment plus de sous en fait. Voilà, on s'est dit qu'on allait iso-sizer et... Oh, Royal Flush, il y a quelqu'un qui clip. Royal Flush les gars, en live, si quelqu'un sait faire le clip, Royal Flush, allez. Montre As-5, montre 2-5. Putain, ouais, quand même, As-3. As-3 ça gagne pas. As-3 ça gagne pas. As-3 ça gagne pas. Non, ça gagne pas. Ça ne gagne pas As-3. Ah oui, scandaleux, scandaleux, la chatte qu'on a. On gagne des flips. C'est un scandale. Ouh, le carré floppé. La Maignan. Ouh, il me dit joyeux anniv, regardez. Merci, merci monsieur Dylan pour ton cadeau. C'est gentil, merci à toi. Merci, c'est très gentil. T'es un amour. Oula, 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 oula. Là-dessus, on a très certainement la meilleure main. Là-dessus, on va quand même s'y mettre, mais on sait qu'on est dedans très souvent. Donc, ça va très souvent en fold. Hein? Ah! Bon. Ok, bon bah, d'accord. Très bien. Et même s'il nous fait la flush, on a la flush au-dessus. Et voilà, merci. Merci, monsieur. C'est très gentil. Il y a la bulle pure, messieurs, dames. J'ai une mauvaise nouvelle, on va devoir folder notre A-suite off, à part si la bulle a déjà sauté. Oh, c'est, la bulle a sauté, parfait, je vais pouvoir call. Magnifique. Oh non! En plus, il me sait out, putain, fais chier. Bon, c'est pas grave, on a quand même fait de l'argent. Non! Mais il avait zéro blind! What the fuck? J'en ai craché mon café. Putain, mais non! Il avait sauté, mais il avait plus que moi, en fait. Putain, mais c'est pas possible. Mais v'là la vie du mec, quoi. Putain, mais v'là la vie du mec, quand même, hein. Ah, mais c'est pas dur, hein. C'est pas dur, hein. Vraiment, hein. Ah non, mais on peut rien faire, quoi. À un moment, faut mourir les armes à la main. Cette combo-là me semble être deux combos pour mourir les armes à la main. Et fold, frérot. Un gros KO, hein. Ça peut lui donner envie. On peut aussi se dire que du coup, je blufferai pas avec un gros KO comme ça. Box. Box. Ouais, nous on fait des gros bluffs. Vas-y, on va sur toi, je te baise toi. Toi, je te baise. Je te baise. Tu vois, S-Dame, je suis devant ta range. Je gagne. Logiquement, je gagne. Logiquement, je gagne. Et logiquement, je perds. Parce que je me fais baiser toujours river, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Voilà. Mais nous, on a raison. On est intelligent. On est devant. La range est bonne. Voilà. La range était devant. Voilà. As-Dame, c'est pas perdre 3, vous voyez. As-Dame, on est bien devant la range. 13 blindes. Il lui reste 13 blindes à mettre. 13 millions. Je vois s'il pas. S'il était couvert, peut-être qu'il aurait pu trouver une porte de sortie, mais là je le vois pas passer. Par contre, c'est... attention, il a 30 secondes, hein, il a plus de time bank. Hein. Est-ce que Jimmy est en train de faire le bluff de la soirée? Il a deux carreaux, Ben Dinelli, et normalement, Jimmy n'a pas valet dame. Ouais. Il va passer. Qu'est-ce qu'il a dit? La main est morte. Le choix est chaud. La main est morte. La main est morte. On est la main est morte, la main de. De Ben Dinelli est morte, il n'avait plus de time bank. Waouh, monstrueux. Il avait Jimmy Guerrero dans sa main, il a préféré le laisser s'envoler. Encore une fois, la question c'est quel sizing vont nous call là. Je pense qu'il a toujours deux valets. Deux dames de roi, pareil, même combat. Plus même deux dames de roi. Et je pense que je vais me dépolariser du coup, c'est genre faire semblant de tourner en bluff ma main. J'ai presque envie de chauve. Ça a tellement aucun sens, je pense qu'il va tout le temps me call. Allez, je... Petite folie. Il va tank, tank, tank et call. Surtout s'il a deux dames, deux rois sans trèfle. Pouah, ce coup de génie. Autant c'est un chien, j'en sais rien. Oh non, putain. Je me suis value cut comme un goré, quoi. Putain, il a joué As-Valet comme j'aurais pas imaginé. Incroyable, bien joué à lui. Oh oui! Je bande! Est-ce que je me suis jinxé par contre? Yes! 6 blindes.
Ok, 7 blindes. Allez, on est devant. Juste pas de dame. Fin du stream. C'est bien là. Après, il a pas tout le temps un as hein, dès qu'il s'ébête. Hein. C'est pour ça aussi que je call. Hein. Là, ça m'étonnerait pas qu'il check quoi, tu vois. S'il check, c'est chiant. Bah, parfait ça. Ok. On peut se prendre les pieds dans un brûlant, bien évidemment. Alors, c'est là-dessus, on va y aller. Et il se bloque! Et il se bloque! Allez! Non! C'est bon! Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nein, 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 nein! On se réinscrit. On se réinscrit. Non, moi je folderai pas la main après, je vous le dis. Là on est assuré de prendre 110 euros. Ouais, ça sera la session. On sera down, mais je peux pas rester à deux blindes toute ma vie. J'en peux plus. J'ai pas un spot. Attention, on me prend les paliers. Le palier pour Angelus. Allez, allez les rois. Allez les rois, brique-moi ça mon loup. Brique-moi ça mon loup. Le palier pour Angelus. Oh non, mais non, non, pas tout est bon. Non. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe sur ce tournoi n'a aucun sens. Bon, dame, je pense qu'il aurait ISO. Là, seulement qu'il est craint, c'est 7-8. Ok, let's go. C'est pas possible, la contrôle. Même si nous n'avons pas accroché la victoire, nous avons une bankroll assez folle, il me semble. Une bankroll qui est à 1 377,68 €. Un 9, un valet, un 7, les amis. Un 9, un valet, un 7, un carré de 8. Lol, oh, il finit en full. Fou, non mais attends, c'est quoi cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, les amis? Oh là là, on va partir sur une victoire italienne sur cette EPT. Je vois pas comment on peut s'en sortir là, mais c'est incroyable cette EPT qui finit sur une main. Je vais difficilement finir autrement. Ouais, ouais. Contre full, là, tu me diras, mais bon. Il va essayer de value, là, et il va se prendre un énorme raise. Il y a carré de 8, carré de 8 chez Bendinelli. L'iceberg italien va faire sombrer le français. Oh, il l'a dans sa main, il le sait, Bendinelli. All in. Il va halluciner. Oh. I win. Oh là 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 là. Victoire donc italienne sur cette EPT Barcelone. Le 10ème Duno, il est quasiment dans les pommes, Bendinelli, là c'est la folie. Carré de 8 contre nous.